Bonjour François-Marie. Oui, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans cet atelier de façonnage, j'allais dire avec Il Maestro. Les élèves ont passé en effet 3 jours avec David Whitehead. Vous êtes céramiste d'art de renommée internationale, on peut le dire. Et qu'est-ce que vous allez faire justement pendant ces 3 jours? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Bah écoute, je vais montrer mes techniques qui sont particulières à moi. C'est le façonnage de peau, mon style. Je vais montrer comment moi je fais et on va échanger pendant 3 jours. Je vais montrer mon parcours avec des dioporamas et j'espère bien que quand je pars d'ici, j'aurai appris quelque chose moi-même. Voilà, justement, vous allez apprendre aussi. Ouais. Alors, la céramique, la terre plutôt, la poterie, c'était un déclenchement. Vous êtes sud-africain et puis un beau jour, je ne sais pas, l'illumination. Ouais. Vous étiez géomètre et vous décidez de consacrer votre vie, en tout cas pour le moment, à la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'aimais bien la vie de géomètre, mais j'ai réalisé un jour, calculer les triangles pour le reste de ma vie, ça n'allait pas. Donc, j'aimais les peaux depuis mon enfance. Je trouve, je sais pas, ça me touche. Et j'ai pris le saut à un moment. J'ai parti au Royaume-Uni. Je voulais apprendre un vrai apprentissage de ce beau métier, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez appris vraiment au plus près de la rigueur de la technique. Alors, en Écosse, et puis maintenant, vous êtes installé pas très loin d'ici, dans le Cher, à La Borne. C'est un centre de poterie où vous continuez à créer. Qu'est-ce que c'est la céramique aujourd'hui? C'est un grand mot. C'est énorme, oui. C'est ça part de l'objet le plus banal jusque dans le design. C'est difficile à. Vous dites, pour être plus concret, en parlant d'un bol, quand j'ai toujours pensé aux lèvres qui se posent sur un bol. Il y a la relation entre l'œuvre, l'objet, la vie quotidienne. Pour moi, le bol, ça doit être le pot ultime. C'est si quelqu'un tient un flingue contre ma tête et il dit « je peux faire encore un pot, je fais un bol », on met notre nourriture dedans, on met nos lèvres, c'est magnifique. Comment vous regardez l'enseignement justement qui est dispensé ici et dans quelques rares établissements, l'art de la céramique aujourd'hui? Ah, je pense que c'est fantastique. Je pense à mon cas, aucune éducation artistique. C'est ça qui m'a retenu justement jusqu'à mes 28 ans pour rentrer dans un atelier et de voir les gens à cet âge-là avec déjà un savoir-faire, une infrastructure comme ça, c'est magnifique. Alors le projet de votre venue, vous êtes invité d'honneur, c'est autour de la terre et à l'origine du projet, c'est vous, Brigitte Chassant. Un petit mot justement, on va continuer sur l'enseignement par exemple. L'an prochain, il y a une section de techniciens qui disparaît au profit d'une classe de seconde plus ouverte. C'est un bon exemple de l'enseignement aujourd'hui, on va plus vers l'artistique, on quitte... Dans ce cas précis, c'est un choix important pour l'avenir du lycée. C'est une section qui donne plus d'ouverture, qui va nous permettre aussi d'accueillir un plus grand nombre d'élèves. Donc on est très très content de ce choix de l'administration. Mais pour nous, ça ne modifie pas. Ici, on est au cœur d'une formation artistique. Le brevet des métiers d'art en céramique, c'est une formation à la fois artistique et technique. Si on utilise comme média la céramique, on ne peut pas se passer de toute une technique et qu'on doit conduire en parallèle avec l'artistique parce qu'on ne fait pas d'abord de la technique pure et ensuite on apprend à dessiner et à regarder. Tout ça, ça doit se faire en même temps et c'est ça qui est passionnant dans ce Concrètement métier. Concrètement dit, quel métier on aura après? Après, on a deux objectifs par rapport à nos publics. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont vraiment passionnés et qui ont du talent et qui deviendront céramistes. Et il y en a d'autres pour qui cette formation-là en métier d'art va leur permettre, avec des parcours scolaires souvent difficiles, d'acquérir un niveau bac et ensuite de poursuivre dans la voie qu'ils veulent. Et c'est ça aussi l'enjeu de ce lycée. On est aussi au service des jeunes pour qu'ils poursuivent leur projet avec ou sans la céramique. Il y a plein de domaines de métiers d'art qui, après un bac BMA, s'ouvrent à eux. Ils peuvent aller vers le design, vers l'architecture, vers d'autres choses, ou la fac. On est là déjà tous pour les mener à ce bac. Et ensuite,
céramiste pour certains. Merci, on va continuer maintenant avec Aimé et Léa, retrouver un peu la veine ouverte aujourd'hui avec David Whitehead. Vous êtes venus toutes les deux avec les œuvres du matin, si je puis dire. Alors donc, vous c'est Aimé. Oui. Qu'est-ce que ça représente la présence de David Whitehead ce matin? Vous êtes inspiré un peu pour faire ce que vous venez de réaliser? Oui, ça, c'est très intéressant. Ça nous apprend d'autres techniques de façonnage. Alors vous-même, comment vous avez décidé un jour dans votre vie, dans votre jeune vie, de prendre comme le chemin de la céramique? C'est déjà l'art qui m'a intéressé et un conseiller d'orientation qui m'a guidé vers cette voie. Alors, vous allez passer le micro à Léa François. Donc, Aimé et vous aussi, vous êtes déjà inspiré, j'allais dire. Vous avez des idées pour réaliser des céramiques, des pots, des formes? Le BMA, il consiste à faire la composition. Le brevet des métiers d'art, oui. Il consiste à faire de la composition et puis de la création. Donc ça, c'est beaucoup de travail personnel. Ça veut dire que vous, qu'est-ce que vous envisagez comme métier ensuite? Moi, je voudrais faire soit partir plus dans la décoration d'intérieur ou dans le design d'objets tout en restant dans la céramique. Très bien. Et vous, Aimé, qu'est-ce que vous avez comme projet? Moi, je ne sais pas du tout encore, donc c'est pour ça que je continue mes études et pour avoir beaucoup plus de bagages en main, quoi. Donc, voilà. Très bien. Écoutez, nous étions donc en direct du lycée des métiers de la céramique, ici à Longchamp. On salue d'ailleurs nos amis du centre de la poterie de Saint-Amand en Puisaye. Donc ici, 3 jours avec David Whitehead et puis journée porte ouverte le 15 mars